Allez, c'est parti les gars, on va se protéger un jeune joueur. Alors on va voir un petit peu sur la map. Il y a Mossab Jaffa niveau 8. Il m'a l'air d'être un nouveau joueur lui. On va le chercher. Il est dans un magasin de vêtements, ça tombe bien. Let's go les gars, on va être son garde du camp. C'est lui qui va être le président. On va essayer de le protéger. Parce qu'il est nouveau et voilà quoi. On doit assurer sa sécurité. On est totalement invisible sur le radar. On est en PNJ garde du corps, j'ai envie de dire. Donc voici sa voiture. On va se mettre là-bas. On va attendre ici. On va pas bouger. On va faire le garde. Donc pour l'instant, on doit assurer sa sécurité. Le mec, il est niveau 8. Et voilà, là, il vient d'arriver. Il est en train de s'habiller tranquillement. Ça tombe bien. Si je trouve une petite animation, il faut que juste je trouve l'animation. Voilà. Comme ça, les gars. Attention, il va sortir, voilà. Nickel, il m'a pas vu. Il croit que je suis un PNJ, voilà. On fait comme sérénité, on observe. Si tout va bien, sa voiture n'est pas piégée, c'est bon. Il va y aller, il fait ronfler son moteur. Tout va bien, rien à signaler pour l'instant. Il va reprendre la route. C'est parti, je prends une voiture ici. Let's go. Prends une petite voiture pour être en sécurité. Et maintenant, c'est parti. J'ai intérêt d'être bon, là. Faut que je prends mes armes et il faut que je le suis. J'assure sa sécurité. Ah ah. Alors mon... Ah il a volé une décapotable, mec. Magnifique. On va le sauver. Ça se voit qu'il a pas d'argent lui. On va le suivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Non mais il est sérieux. Ne me dis pas qu'il va laver sa voiture. Il va laver sa voiture. Allez, on fait notre boulot hein. Il est en train de laver sa voiture. Voilà, on l'observe. Tout va bien. C'est malade ce mec. Il vole une voiture, il va le laver. Ça se voit qu'il est pauvre lui hein. Je sais pas moi, répare-le avant moi, mais je sais pas moi. Au moins répare-le, on voit comment il est pété. Merde, j'ai une arme dans la main, j'espère qu'il va pas me repérer. Et il doit se poser des questions, pourquoi il y a quelqu'un qui a une arme dans la main ici. T'inquiète pas, je suis là pour toi mon pote. Je vais te protéger. Non, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il reprend la route. L'individu reprend la route, c'est parti. J'ai pris cette petite voiture pour pas me faire opérer, tu vois. Putain, c'est cool d'être en PNJ, hein. Personne nous repère, on peut le suivre tranquillement. Regardez. Pas aller trop vite non plus, faut pas se faire opérer. Il va s'approcher à côté des joueurs là. J'ai intérêt d'être bon là. Franchement, si je foire mon coup, je suis fini. À mon avis, là, il va aller au LS Custom. Voilà. Faudra bloquer le LS Custom. Le temps qu'il va. Je pense qu'il va prendre du temps pour tuner sa voiture. Allez, c'est parti. On va bloquer le LS Custom. C'est parti. Ah, il a fini déjà. Merde, j'ai même pas eu le temps. Attends, je rêve. Il a piqué ma voiture. Ah ouais, il a vendu la voiture en fait. Et là, il a piqué ma voiture, merde. Bon, écoute, j'ai pas le temps de fermer le LS Custom. D'accord, le mec, il se fait de l'argent comme ça, le pauvre. Regarde, ils viennent de vendre, là. Merde, je me suis fait repérer. Oh, merde. Patron, c'est bon, je suis avec toi, patron. Je suis dans la merde. Je dois pas me faire repérer. Je dois le protéger. Alors, il va sauter vite, il va rien comprendre. C'est bon, il m'a perdu. Je dois pas me faire opérer. Si je me fais opérer, c'est pas bon. Je dois le protéger. Ni vie ni connu. Putain, j'étais juste à côté de lui. C'est pour ça. Peut-être il voulait voler mon arme. Il voulait me tuer pour voler mon arme. Mossab, Jaffa, je crois qu'il est parti dans une mission là, si je me trompe pas. Oh non, on est. Bon. Au moins, tout s'est bien passé pour lui. On l'a protégé. Donc maintenant, c'est à nous de protéger quelqu'un d'autre. On va voir. Bon, il est parti, dommage, hein, je voulais le protéger jusqu'à la fin. Mais bon. Ouais, à mon avis, on va le protéger, lui. Déjà, la T20, on va lui donner. Ça va l'aider. Ça va l'aider à aller vite. Bon, Hicham, c'est quelqu'un qui est pauvre aussi. Parce que là, il a volé une voiture. Il va l'amener au LS Custom. Il faut sécuriser la zone. Voilà, il est parti au LS Custom. C'est parti, les gars. On va sécuriser la zone. Oh, merde. Il me regarde, merde. On va monter avec lui. On va faire son garde du corps. Et pendant qu'on y est, voilà. Voilà, il a compris qu'il faut prendre la T20. Cette fois-ci, on va plus se cacher. On est son garde du corps. Mais qu'est-ce qu'il fout? En fait, il croit que je suis un PNJ, que j'arrête pas de le suivre, il comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est moi qui dois être le chauffeur normalement. Bon.
On va le protéger, on sort l'arme. Le mec il doit se poser des questions. Il a dit what the fuck, j'ai un garde du corps. On va le protéger, voilà. Normalement c'est moi qui devais l'emmener, mais bon c'est pas grave. Regarde, il y a un avion qui est assez menaçant là. Regarde. Regarde l'avion ici. Oh je l'ai eu. Bodyguard, c'est moi bodyguard. Ça veut dire garde du corps, je l'ai buté, je l'ai buté. Regarde ici. Voilà, on prend pas le risque, on le protège. Voilà, hey, il doit être content là le mec. Franchement, moi j'aimerais bien avoir un garde du corps moi. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, ils sont pas menaçants. Faut que je me méfie, je peux pas tuer. Oh, menaçant. Il a tiré. Putain, non, ça bug. Oh putain, juste attends. Ouh. Attention. Non, putain. Ce bâtard, il a écrasé mon patron. Putain, je l'ai protégé. Oh, j'ai géré, il est pas mort. J'ai intérêt de gérer, le mec il s'est TP. Là, là on file plus personne. Regarde-moi. Allez, un par un, je l'élimine. Le garde du gant est là. Regarde, il est content le mec, hein. C'est moi patron. Je sors d'ici, faut que je l'amène en sécurité là. Patron, je pense qu'il va aller Ah, il va aller de son appartement, même pas. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah si, voilà. On attend le chef ici. Franchement c'est pas mal hein. Je kiffe trop être garde du corps comme ça. On protège et le mec il meurt jamais avec moi, je protège à mort moi. On va se garer ici. On va ouvrir la porte arrière. Ah je crois qu'il a quitté la partie. Putain, je sens une limousine pour lui, il est plus là, Hicham, putain. On va faire un petit dernier hein. On va chercher un autre joueur, le plus petit. Anas, Anas qui est niveau 10, putain. Anas, il est où Anas? Anas est dans son appartement. C'est parti, let's go à l'appartement 500 000, on attend qu'il sorte. Ah il est là Anas. Merde, 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 Anas. Ah il est monté, c'est bon. Monsieur Anas, c'est ici, bodyguard. Est-ce que... où est-ce que je vous emmène, monsieur Anas? Mettez le point où est-ce que vous voulez aller. Bon, je pense qu'un jeune joueur comme ça, il faut l'amener au magasin de vêtements avant. Et je vais essayer de le protéger, hein, j'ai envie de dire. Mis un point là-bas, je vais sur le point. Je suis sur le chauffeur. Voilà. Là, il va comprendre qu'il faut mettre des points. Ah, à mon avis, c'est sa voiture. Mais t'es con, quoi? T'as une limousine et tu prends... Bon, on va le suivre avec la limousine. Bon, on va le suivre. À mon avis, il veut pas monter dans la limousine. Il a un chauffeur, il a un garde du corps, mais je sais pas ce qu'il veut de plus. Hein. C'est un malade, lui. Faut protéger, hein. Faut protéger monsieur Anas. T'inquiète, je t'escorte, je t'escorte. Qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas ce qu'il fout, hein, en tout cas. Il va au golf. Ah, lui, c'est un gosse de riche, lui. Lui, c'est un gosse de riche. Il va aller au golf comme ça. Ah, il va revenir. Il est parti au golf, le bâtard. Bon, bah écoutez, on a réussi notre mission. Hein. On l'a déposé au golf, apparemment. Hein. Je sais pas, il est plus là. Ah, il est... À mon avis, il est parti dans une mission. Enfin... Ah, bah il est là, c'est bon. Je me gare. Il est remonté dans sa voiture. Monsieur Anas, montez avec moi. Monsieur Anas, montez avec moi. Monsieur Anas, montez avec moi. Par mesure de sécurité, montez avec moi. Monsieur Anas, veuillez monter avec moi par mesure de sécurité. Ici votre garde du corps qui vous parle, je suis votre chauffeur. Montez avec moi. Monsieur Anas, montez avec moi. Vous mettez un point. Voilà, monsieur Anas. Voilà, c'est vous le patron, monsieur Anas. Monsieur Anas, vous êtes le patron. Je suis votre garde du corps et votre chauffeur personnel. Vous me dites où vous voulez aller. Et je mets le... Et je vous emmène. Ne vous inquiétez pas, avec moi vous serez en sécurité. Personne ne va vous tuer. Voilà, monsieur Anas. Je suis obligé de mettre mon micro pour vous dire, monsieur Anas. Allez, c'est parti. Monsieur Anas, c'est parti. Je vous amène. Avec moi, vous serez en sécurité, monsieur Anas. Personne ne va vous toucher. Si quelqu'un ose vous toucher, il va en prendre cher dans sa gueule. Vous êtes le président, d'accord? Alors, avec moi, rien à craindre. Même sur la route, vous avez rien à craindre avec moi. À toutes les personnes qui m'entendent dans la session, les personnes qui veulent la peau de monsieur Anas, faudra me passer sur le corps avant. Ici Bodyguard qui parle. Je suis le garde du corps de monsieur Anas. Les personnes qui veulent toucher Anas,
Il faudra passer sur mon corps et croyez-moi, vous allez pas réussir. C'est parti, monsieur Anas, vous voulez aller au parc d'attractions, je vais vous emmener ça. Parc d'attractions, d'accord, c'est parti, monsieur Anas, vous vous faites plaisir. Amusez-vous dans votre parc, je vous attends à l'entrée. Et ne vous inquiétez pas, monsieur Anas, je protégerai la zone. Quand vous avez terminé de vous amuser, vous revenez vers ici. Je vais me garer. Oups, excusez-moi. Monsieur Anas, je vais vous déposer un peu plus près. En tant que président, on va aller un peu plus près. Monsieur Anas, vous pouvez sortir. Bon, monsieur patron, vous pouvez vous amuser. Je surveille la zone. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça, chef. Amusez-vous. Je vous couvre. Ah, c'est parti, monsieur Anas va faire la grande roue. Oh merde, c'est. Ça va prendre des heures à l'infini, mais bon. Voilà. Ne vous inquiétez pas, monsieur Anas. Alors, monsieur Anas, il y a un individu, un suspect qui se rapproche. Je vais vous couvrir, ne vous inquiétez pas. Il y a des suspects qui approchent, ne vous inquiétez pas, monsieur Anas. Oh là 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 là. Amusez-vous, monsieur le président. Amusez-vous, monsieur le président, je vais vous protéger. Ne vous inquiétez pas pour ça. Sortez de la zone! Cette zone est réservée pour le monsieur le président, cassez-vous d'ici! Je répète, cette zone est réservée exceptionnellement pour monsieur le président Anas, donc veuillez vous casser d'ici. Je ne répéterai pas plusieurs fois, les gars, cassez-vous. La prochaine personne que je vois, je bute direct, sans savoir. Putain. Monsieur Anas, ne vous inquiétez pas, je protège la zone, je protège la zone. Tu peux klaxonner, mais tu vas pas passer, crois-moi, tu vas pas passer. Je protège la zone. Bougez pas, avancez, avancez. Pas bouger. Voilà. Alors bougez pas, vous bougez pas, bougez pas, bougez pas. Oh oh oh. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Y a de tout là. Ouh là là là. Monsieur Anas, sortez. Sortez de votre grande roue, monsieur Anas. Il faut quitter la zone. Il faut quitter la zone, monsieur Anas. Cassez-vous. Il faut quitter la zone, monsieur Anas. C'est pour votre sécurité, monsieur Anas. Veuillez venir avec moi, monsieur Anas. On va quitter la zone, il y a trop de monde, il y a trop de monde qui veut la peau du président. Alors on va quitter la zone, c'est parti. Oh, oh monsieur Anas, monsieur Anas, montez vite monsieur Anas. Montez vite. Oh, casse-toi ZW. Monte vite monsieur Anas. Il y a un individu qui est rentré avec nous, un suspect. On va devoir le faire quitter du véhicule, voilà, on l'éjecte du véhicule. On va ensuite le buter. Ah mais tu peux le faire, là. Voilà. Putain, monsieur Anas. Oh, merci. Oh, monsieur Anas. Michael, je sais que. Tu vas arrêter de me raconter. Oh, ZWE, je sais que tu veux la peau du président. Mais tu l'auras pas. Je sais que tu veux la peau du président. Mais rêve toujours. En plus, t'es même pas ici pour lui. Alors, c'est toi. Merci. Moi, je te dis juste, je protège juste, je fais que mon boulot protéger, monsieur Anas. Donc, arrêtez de faire votre crevard, laissez le président tranquille. Monsieur Anas, je vous ramène à votre appartement. En mesure de sécurité, on va aller dans votre appartement. Putain, tout le monde veut la peau du président, c'est pas possible. Bien sûr, ok. Monsieur Anas. Alors, montez dans votre appartement, je vous rejoins, monsieur Anas. Montez dans votre appartement, je vous rejoins. Vite, dans votre appartement, vite. Non, pas dans le garage, dans l'appartement, monsieur Anas. Faites-moi confiance, non. J'arrive, je vous rejoins. N'a pas besoin de m'inviter, hein. J'ai le mot de passe, ne vous inquiétez pas. Monsieur Anas, je suis ici. Mission accomplie, monsieur Anas. J'espère que vous n'êtes pas déçu. Vous n'êtes pas déçu que j'ai pris les contrôles parce que je sentais que vous étiez en danger au parc d'attraction. J'espère que vous n'êtes pas en colère avec moi, monsieur Anas. Ah la putain, il a failli mourir, Anas, hein. Monsieur le Président, vous avez failli mourir, mais heureusement que j'étais là pour vous protéger, hein. Putain. Écoutez, Monsieur le Président, j'ai accompli ma mission. Je vous donne votre argent que j'avais gardé. Bougez pas, je vous donne tout votre argent que j'avais gardé sur moi. Voilà, ceci est pour le Président. C'est tout votre argent. Et Monsieur Anas, vous êtes niveau 10. À présent, vous êtes niveau 10, je vais vous mettre niveau 120. Parce que vous êtes le Président. C'est en raison de sécurité, Monsieur Anas. Maintenant vous serez niveau 120, voilà, vous êtes niveau 120. Maintenant vous pouvez vous défendre tout seul.
J'ai accompli ma mission, vous étiez niveau 10, je vous ai mis niveau 120 pour que vous puissiez vous protéger vous-même. Et voilà les potos, c'est terminé pour cette vidéo. Putain, on a bien protégé. Bien géré quoi, on était à fond dans notre rôle. Après j'ai activé mon micro vers la fin pour Anas. Pour qu'il m'entende, pour qu'il monte dans la voiture et tout. Et il a joué le jeu, il était content, je l'ai emmené où il voulait. Voilà, nickel. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez kiffé ce genre de vidéo. Bombardez-moi la barre des likes et abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et ciao.